Coucou mec, aujourd'hui on a un nouveau jour. Et attends. Et on est un jour de soir. Parce qu'en fait il est 19h20. Alors je peux tout expliquer. Tout. Je me suis levée à 9h du mat. J'ai été dans un café. Tu sais le café où je passe ma life à Istres. J'ai été dans un café et je n'en ai pas bougé jusqu'à 19h. C'est beaucoup. Ça m'a permis de mettre en ligne. De monter, mettre en ligne, éditer, machin, tout ça. Une, je crois, 10 vidéos. Ce qui est pas mal. 10 vidéos de... Oula, je mets la tête d'un coup. 10 vidéos de culture et des vidéos de livres. Et donc, attends. Donc, j'ai bien travaillé. Et là, je pense que je vais commencer à faire à manger. Comme ça, après, je suis tranquille. Voilà, donc je te garde avec moi pour la soirée. C'est cool la vie. Allez, à toutes. Je te montre à quel point je suis une psycho. Ça, c'est mon carnet. Tu sais, mon carnet infini qui ne me quitte pas, où je peux écrire et effacer, machin. Et j'ai programmé toutes mes vidéos. Regarde. Ça, c'est toutes mes vidéos du mois de septembre. Octobre. Novembre, décembre. Et janvier, tu vois. 2017, mec. Voilà, j'ai bien travaillé. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai fait là. Attends, j'ai fait combien en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 vidéos. C'est le travail que j'ai fait là depuis hier. Et je trouve que j'ai beaucoup travaillé quand même. Je raconte, je suis en folie furieuse. En fait, j'ai reçu plein de jeux. Ah, j'en veux plus. Ces DG sont trop marrants. Il y a mettons ça, qui était mon support. Ça, c'est un jeu pour apprendre à raconter des mythos. C'est tellement marrant. En fait, c'est un jeu où on te donne un cadre. Et il faut que tu racontes un mytho autour de ce cadre. C'est trop marrant. Après j'ai reçu ça. C'est des jeux qui s'appellent questions de merde. En fait c'est que des questions de merde. Et je pense que je vais te faire des vidéos sur la thématique. Où je piocherai une carte au hasard et je réponds. Enfin des cartes au hasard et je répondrai. Dis-moi ce que t'en penses. Mettons, là je prends une carte. Question numéro 1. Pour quelle raison serais-tu prêt à t'endetter toute ta vie? Question numéro 2. Si tu avais le pouvoir de rendre réel un personnage de fiction, lequel serait-il? Ensuite, parmi les amis, qui voudrais-tu avoir dans ton lit que tu n'as jamais eu? Si tu étais né pauvre dans un pays en voie de développement, lequel? Si tu devais renaître demain en fantôme, quel endroit irais-tu hanter? Et à partir de quand la superstition devient-elle dangereuse? C'est cool hein. C'est que des questions comme ça. Et en fait elles ont l'air gogol, mais elles sont pas du tout gogol les questions. Elles sont loin d'être gogol. Donc ça, ça promet de belles soirées en perspective et de bonnes vidéos pour toi et moi. Et là je suis en train d'ouvrir les autres et de découvrir les règles. Je suis trop à fond, je t'avoue. Alors, chacun pose devant soi un compteur tag et le recouvre. Vous reculez d'un cran dès que vous recevez un tag. Le jeu, hein, nanana. Ouais, c'est pour les jeunes. Cool. Jeu des proverbes à la fois génial et trop con. Allez, je retourne travailler, mec. Je suis vraiment contente, je te jure, je suis à fond. T'inquiète, je vais te faire plein de vidéos et je vais te faire des vidéos de présentation pour que tu comprennes le jeu. Et je vais te faire des vidéos sur les questions de merde. Cool. J'ai pas commencé à faire à manger et je lui avais promis de lui servir. Attends, faut que je fasse semblant. Attends, faut que je fasse du cinéma. Vite, vite, vite. Il Je sais, c'est bizarre. En plus, il est tard, il est 21h. Mais j'ai senti des miettes sous mes pieds. Et j'aime pas trop sentir des miettes sous mes pieds, tu vois. Quand je suis en chaussette, je m'en fous. Mais là, je suis pas en chaussette. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il faut pour bien faire le ménage? Il faut de la musique Baby Common. Musique Baby Common. Allez, qu'est-ce que nous réserve la soirée? Je crois que c'est là. Ça s'appelle du nerf.
personnage d'Anaïs, je te fais écouter le dernier message qu'elle m'a envoyé. Donc par rapport au fait qu'on a les jeux. Eh hey, mais je suis trop dosée, je suis trop contente parce que j'avais trop peur de mourir au Maroc. Mais là depuis que tu m'as montré les jeux, qu'on va être tous ensemble, ça va être stylé. Moi je mourrai pas seule. Anaïs a très peur d'aller au Maroc. En fait, comme elle vit au Mexique et qu'elle entend tout le temps parler des attentats en Europe, enfin en France, et il y a eu ceux de Tunisie, du coup elle a hyper peur. Là elle revient pendant genre 2 mois je crois, et elle fait plein de pays d'Europe, elle a trop trop peur. Peut-être qu'on mourra, mais c'est la vie. Et ça c'est ma réponse. Exactement ce que je pensais, au moins on mourra tous ensemble. Ouais, on ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Même toi. Que tu sois moche ou que tu sois un gros maïs. Parce qu'avec tu fais. On l'appelle gros maïs. On l'appelle gros maïs parce que c'est une patate mexicaine. Anaïs. Les donneurs de conseils. Les sonneurs de réveil. C'est un trompettiste. Là. Now you say you're lonely. You cry the whole night through. You can cry me a river, cry me a river. I cry the river for you. Je veux une chanson française. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est Rembrandt. Baby, 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 I've got to have you for my own. If you ever need me, baby, call me on the telephone. Tu vas me repasser mes trucs, hein. Tu rêves. Et tu rêves tellement, Farid. Ton monde est peuplé de rêves. J'allais en bois toutes les nuits. Comme je faisais la fête. Et je faisais pas le ménage. Maintenant je me retrouve à nettoyer ses caleçons. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. Parce que je me suis mariée avec un gros tocard qui croit que la vie c'est de faire la vaisselle, de repasser son linge et ramasser ses caleçons. Hier encore j'avais 20 ans. J'avais pas de cellulite. Et j'étais pas toute folle, je rentrais dans mes robes, et je portais des talons, et je me maquillais, putain, qu'est-ce que j'étais bonne. Non. Ah, faut que je te fasse écouter, mais je crois que je t'ai déjà fait écouter 1000 fois, je m'en fous, c'est pas grave. Je la connais par cœur, je l'ai écouté au moins 100 000 fois, 100 000 fois, en boucle, et la dernière fois j'étais en dispute avec Farid et je l'ai écouté. Elle était pour lui. Pam. 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 Écoute-la. Oublie-moi. Non, pas moi, pas moi. S'il te plaît. Oublie-moi. Oublie-moi. Sans regret. Oh, sans regret. Oublie-moi. Vite fait. Oublie-moi. Pas
pas ma chaîne, hein. À jamais. Là. Tu crois pas, hé Farid, qu'il est temps, hey, de se dire qu'il est grand temps. Faut faire écouter ça à ton mec quand t'es fâché. C'est marrant. C'est marrant. Dans 20 ans, on s'aimera tout autant. Non, pas moi. Franchement, si je divorce, je l'aime plus. Oublie-moi. S'il te plaît. Oublie-moi. Sans regret. Oublie-moi. Vite fait. Oublie-moi. À jamais. Ça finit. Ça recommence. On s'attrape. On se balance. Tout est mort. Tout est vie. Et nos corps, loin d'ici. C'est marrant. Dans 1000 ans, on s'aimera tout autant. Ça c'est vrai, dans 1000 ans, ça aura tout autant. Toi et moi, pas lui et moi. En passant, en sifflant, on serrera les dents. Elle est magnifique, hein. C'est une chanson d'amour en fait, on dirait pas. Moi j'ai fait croire à Val que c'était une chanson de dispute, mais en fait non. Aussi près. Regarde. Aussi loin. C'est une histoire d'amour impossible, je pense. Eu le temps de s'aimer comme avant. Là. Oublie-moi. S'il te plaît. Oublie-moi. Sans regret. C'est beau ça, c'était les vagues. Oublie-moi. Ça fait un chien truc là. Vite fait. Oublie-moi. À jamais. Oublie-moi. S'il te plaît. Oublie-moi. Pam, pam, pam. Oh, faut que je fasse écouter l'autre. Elle est terrible. Oh là là. Ça aussi une histoire d'amour, mais ça c'est triste. En fait, c'est l'histoire d'un mec. Il est parisien, il a une meilleure amie. Et en fait, il part à Helsinki avec sa meuf. Elle s'appelle Anna, cette meuf. Et au début de l'histoire, il est trop content parce qu'il est parti avec sa meuf. Mais il écrase sa meilleure amie. C'est un peu ambigu quand même comme histoire. Et il lui dit, genre, un peu pour la faire marronner, ça va, Anna, elle est trop contente, ça réchauffe mes nuits, je suis trop contente, machin, machin. Son amour est pur comme le ciel d'Helsinki parce qu'en fait, sa meuf est trop amoureuse de lui. Et je l'aime comme l'amour de sa vie. Il l'aime comme on aime l'amour de sa vie. Il est un peu la même chose dans quelques minutes. Tu vas voir. Ami, c'est bon de te lire, crois-moi. Ça, c'est sa meilleure pote qui lui écrit. Car depuis elle a pas peur que sa meuf elle tombe sur les lèvres. Toujours trop froid. Comme si l'air vent d'Helsinki soufflait juste ici bas. Là quand même, je trouve qu'elle fait un peu la biatch. Que j'en veux à Anna d'avoir su te garder. Alors petite analyse de texte musical. La meuf, en gros, elle écrit à son soi-disant meilleur pote pour lui dire qu'elle en veut un petit peu à la meuf de son pote d'avoir été capable de l'aimer. Donc je pense qu'elle cherche un petit peu la merde et qu'elle essaye de récupérer le mec. Mais c'est pas cool parce que le mec il s'est barré avec l'autre à l'autre bout du monde. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle met des doutes dans son esprit. Elle anime une petite flamme qui était censée être recouverte par la neige d'Helsinki. Helsinki qui est genre dans le pôle nord ou le pôle sud, mais un truc avec de la neige. C'est chaud, moi je dis c'est une fouteuse de merde. On va voir si elle va arriver à ses fins. Je te dis elle va arriver à ses fins. Tu vas voir, c'est chaud les meufs comme ça. Elle te pique tes maris là. Alors là, le mec il en peut plus, il commence à lui répondre à rentrer dans son jeu. Tu m'étonnes. Toi seul, ce qui suit. Toi seul, attends. Toi seul comprendras ce qui suit. Ce qui veut dire que le mec il a une relation particulière avec sa pote qu'il n'a pas avec sa meuf. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Je pense que tous les deux il y a anguille sur roche. Vraiment. Normalement ton mec il a une relation particulière qu'avec toi, hein, pas avec une autre meuf. On lui accorde le bénéfice du doute.
Que c'est loin Paris, machin machin, on s'en fout. Tu me manques. Et je n'ai rien appris, tu me manques. Et crève d'ennui à Zinski, ça veut dire le mec il s'amuse même pas avec sa meuf, hein. Il crève d'ennui, hein. Sa meuf l'aime d'un amour qu'il ne mérite pas. Si tu ne mérites pas, mec, c'est que c'est toi qui te manque, hein. Et voilà. Il dit parce que je ne suis qu'un or pour m'enfuir, je suis le roi. Donc le mec il est parti là-bas, il lui a fait des faux espoirs de ouf. Mais il savait que c'était... Elle lui dit c'est troublant de lire ces mots-là. Alors la meuf, elle cherche trop la mer. Car depuis ton départ j'ai cru mourir de froid. Donc là elle cherche à la pitoyer. Vraiment, vraiment, c'est une fouteuse de merde. Mais tu vas voir. Tellement facile de piquer un mec à la merde. Elle m'énerve. Mais en fait ils ont le droit de s'aimer. C'est une jolie histoire quand même. Juste c'est un peu con pour la meuf officielle. Ne raisonne plus tes pas. Oserais-je un jour avouer, t'avouer que j'en veux à Anna d'avoir su te garder. Ah non, d'avoir su t'aimer. T'inquiète, après elle va dire. Elle m'énerve. On prend pas les maris des autres. C'est interdit. Mes démons jusqu'ici m'ont suivi à la trace. Le mec il sait que c'est chaud et qu'il a une relation ambiguë avec cette meuf, mais il assume. C'est le bien. Alors là il commence à faire son plan d'action. Il dit bientôt matin j'embrasserai Anna et je la regarderai pour une dernière fois. Donc le mec il se bat, il rentre à Paris voir sa meilleure amie. Je rentre chez moi. Il a le droit en même temps d'en avoir marre un petit peu le nom. Je comprends. Alors elle est trop dosée. C'est bon de lire ces mots-là. Tu m'étonnes, t'as cherché, meuf. T'as cherché, t'as trouvé, hein. Car depuis ton départ, j'ai cru trouver. Tu peux pas l'éviter. Même si bon. En vrai, j'adore cette chanson, mais quand même, c'est pas cool. Même s'ils ont le droit d'avoir une belle histoire d'amour. Voilà. Sur la plage, sur leur peau, le soleil caresse bien tout ça. Je vois qu'il est décoiffé, un de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Ça, tu filmes encore là? Je suis en caleçon. On s'en fout, tout le monde. Tu crois que ton gros beat, tout le monde l'a pas vu déjà? Non. Tout le monde. Mais tout tu le as monde. Coupé. Non, tout le monde l'a vu des milliards de fois. T'as fait la danse avec le bide la dernière fois, tu crois que t'as fait. Non, s'il te plaît, je veux pas qu'on me voie, interdit. Alors, enfin, la dernière fois, t'as fait la danse, c'était comme dans blob, 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 blob. Non, mais là, je suis pas d'accord. Non, il y a des trucs, il faut pas. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie qu'on voie mon bidou. Mais là, tu as fait, tout le monde le connaît, ton bidou. Non, personne. Ce n'est pas un inconnu. Ah, non, mais parce que tu regardes pas mes vidéos, mais si tu regardais mes vidéos, tu saurais. Ce n'est pas un inconnu, ton bidou. C'est une star. Non, mais. Je peux remplacer, là. C'est vous que tu te fasses pas ton travail de femme. Tu peux me faire chauffer le fer, s'il vous plaît, au moins ça. Dans ta triste vie. Toi, tu veux te prendre un fer dans la tête? Pshh, t'avais peur. Je n'avais jamais.
j'étais un bonhomme. J'avais une maman qui faisait mon ménage et mon repassage. J'étais en place. Maintenant je suis un gros soumis. Je repasse mon linge. Et bientôt je ferai le ménage. Parce que ma femme commande. Je me suis fait tout petit devant une poupée. J'ai la seconde pour la couche. Je me suis fait tout petit devant. Viens bébé Farid, j'ai une chanson pour toi, je te la dédicace. Elle est spécialement pour toi. Je sais tout ce que t'en jettes. Alors faut passer tout serré. T'as tout ce qu'il faut pour plaire. Toutes les copines vont jaser. Non. Allez, vas-y, cherche sur l'élastique. Non. Tu me gaves, tu me fais tous les jours ça et après tu vas le perdre. T'as qu'à aller en acheter. Ça te sert à rien, toi, tu restes à la maison. En plus, tu m'arraches mes cheveux quand tu fais ça. Ouais. Finalement, ça sert à rien. Tu peux m'en faire une queue? Essaye de m'en faire la queue que tu m'en fais. Tu veux une queue? Ouais. Mais tu me fais doucement. Non mais elle est pourrie ta queue, tu me l'as rayée. Ah mais tu m'as arraché les cheveux là. Là tu vas t'arriver. Aïe. Chut. Aïe. Alors là je t'ai fait une coupe. Même Jean-Paul Gaultier il serait pas de la faire. Mais c'est normal, Jean-Paul Gaultier il fait les habits, il fait pas les cheveux. Schwarzkopf. Non, comment il s'appelle là? Schwarzkopf, il fait des bijoux. Franck Provost, je sais pas. Ah ouais, je suis belle. Tu m'as rendu trop belle. Ça, c'est une doigté de folie. On sent le mec a de l'expérience avec les cheveux. Ouais. Tu sais que j'aurais pu être quoi à faire? J'étais artiste quand j'étais jeune. Ouais. Tu as raconté à tout le monde que j'étais artiste peintre quand j'étais jeune. On va faire un courage. En fait, il peut dire non à rien qu'on lui propose. Du coup, je vais lui proposer de monter à Lyon le week-end du 15 octobre. Attends. Il a pas le droit de dire non. Il fait un mois où il doit dire oui à tout. Donc on va appeler Raj. Farid, il se moque de moi parce qu'il est jaloux. Il en a marre que j'aime trop Raj. Bonjour, vous êtes sur la messagerie 06. Tu y vas? Ouais, j'y vais. Tu peux dire au revoir s'il te plaît? Ciao. Non, viens me faire un bisou comme si t'allais mourir ce soir. Allez. Non, c'est grave. Hé! Non, t'as qu'à pas dormir ce soir quand j'ai rentré. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Oh, il me répond pas. Je lui envoie un texto. Je lui dis Raj le 14. Octobre, tu passes, tu es partant pour passer quelques jours avec nous à Lyon chez Sun. On fera un repas, plus le lendemain, il y a un congrès de blogueuses. On incrustera. Ah, c'est de la musique indienne. Je comprenais pas. Bon, on est la nuit. Oh, la musique qui va coltrer bien. On est la nuit. Il faut aller dormir, les enfants.
Parce que la nuit, il faut dormir. Je t'aime fort. À demain. Il faut dormir. Mais moi en fait, je vais pas dormir. En vérité, je te fais des vidéos et je voudrais t'en faire beaucoup. Je traduis les paroles en fait. Et si je continue à faire la mongole dans mes vidéos, j'aurai pas le temps de faire des vidéos. Après tu marronneras et tu ne m'aimeras plus. Donc je te laisse et je sais ce que tu penses, que j'ai raté ma vocation dans la traduction de chansons. Pam, pam, pam. Oh, c'est bon, Diana Cross là. J'ai Diana Cross, je sais pas qui c'est Diana Cross. Je crois qu'elle n'existe pas d'ailleurs. Et là, c'était qui? C'était Lynn Stanley. En fait, j'aimais pas du tout. On va. Allez, il faut qu'on termine sur une musique qu'on aime.